Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du quart d'heure de l'agriculteur sur toujours Belgique profonde V2.5 et on va essayer de continuer dans le roleplay. Donc justement, je suis tranquillement parti ce matin de bonne heure faucher une petite parcelle pour nos vaches, puisqu'on a une petite douzaine de vaches qui sont arrivés avant-hier, donc va falloir les nourrir quand même, parce que j'avais un peu de stock de nourriture mais que j'ai épuisé. Donc on va démarrer ça. Normalement Johan doit pas tarder, il l'embauche à 8h, donc il va pas tarder. Normalement hier soir je lui ai dit de prendre la faneuse pour venir par là, comme ça on va avoir fini ça ce matin et on va pouvoir commencer à nourrir les vaches. Après je sais pas, je sais qu'il avait commencé, enfin il avait passé une annonce parce qu'on a acheté une petite tondeuse pour faire un petit peu de jardinage, de paysagisme, de trucs comme ça. Il avait passé une annonce comme quoi on était capable de le faire, alors peut-être que ce matin il aura un rendez-vous ou quoi, je sais pas. Et il va pas tarder à me le dire de toute façon, s'il embauche pas trop tard. Au moins j'aurai le temps de prendre de l'avance à la faucheuse. C'est déjà ça. Avec mon petit Renault 751 qui marche bien, hein, mine de rien, encore rien. Encore. C'est pas mal. Pour faire ça, ça me suffit. Après, ouais, on a le Newland 205, T7 250. Quoi. Mais lui il est rangé sous le hangar, on s'en servira la prochaine fois. Et puis après, ouais, j'ai aussi commandé une moissonneuse qui doit arriver de Russie. Donc bon, c'était pas cher, mais j'avais pas les moyens encore d'acheter une axiale ou même une John Deere ou une Lexion ou quoi, j'avais pas encore les moyens. Donc du coup j'ai acheté une machine en Russie, en neuf hein, quand même, mais bon c'est assez simple. Mais pour commencer, ça nous suffira, je pense. Ah tiens, il est rendu là-bas. Il est passé là-bas. Bon, je vais aller le voir. Je finis de détourer, là, un coin. Je vais aller le voir. Quand il sera entré. Au pire, de toute façon, il va peut-être... Ah ben, le là. Hop, je vais descendre. Salut. Salut. Bon, ça va? Tiens, je t'ai cherché partout, quoi. Je me rappelle plus le choc que tu m'avais dit. Ah bah oui, non, c'est vrai, ouais, je t'avais dit, j'étais pas sur soit là, soit de l'autre côté, là-bas, au village. Je savais pas encore, bon, je m'étais mis là. Ouais, bah tu vas pouvoir commencer à en donner, puis je vais ramasser après. Bah elle est belle l'herbe. Ah bah ouais, ouais, là elle est bien, hein. Là c'est impeccable. Bon, moi... c'est parti. Ouais, c'est impeccable. Voilà. T'as eu des commandes au fait pour aller tondre ou quelque chose comme ça, non? Ouais, j'ai eu un appel, une mamie, là, parce que chez elle, l'herbe elle est pourrie, elle m'a dit qu'elle aimerait bien refaire un petit peu le gazon. Ah, pour ressemer? Ouais, donc il va falloir qu'on voit. Bah, on ira voir ça tout à l'heure. Ouais, à mon avis, il va falloir travailler un peu le sol et puis lui ressemer ouais. un peu d'herbe fraîche. Ouais, bah avec la niveleuse, on grattera un peu ou quoi, parce que bah, la charrue est en révision, donc... Ouais, ça suffira. Ouais, non, mais c'est pour ça. Juste sur 10 cm, déjà, c'est pas mal. Ouais. Ouais, puis après, j'ai le petit semoir à la volée pour l'herbe, ça ira. Ouais, bah, impeccable. Hop. Bon, bah, ouais. je continue de... Je finis de faucher ça. Tu peux commencer à en dénier, puis je vais arriver après pour ramasser ça, si on a le temps. Sinon, on ira refaire la pousse, et puis je ramasserai après. Ouais, mais ça marche. Ok. Bon, allez. Ok. Tu m'en diras des nouvelles au fait du massé. Parce que ouais. Je sais pas ce qu'il vaut encore. Hein. C'est pas moi qui l'ai ramené, donc c'est peut-être bien toi avant-hier qui l'a ramené. Ouais non mais ça va, ça marche pas trop mal. Il faut pas mettre trop de poids derrière. Ouais, avec l'endener, je te cache pas que ça va le tirer, je pense. Hein, mais... Ouais ben. Il aura qu'à tirer puis c'est tout. Ouais bah tu verras ça. Bon. Ok. Bon allez. Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Bah, de toute façon, tu te branches au pire dans le tracteur. Ouais.
sur l'application là, qu'on a, on a téléchargé. Hop. Bah, de toute façon, il m'appellera une fois qu'il sera branché. Ouais, tu m'entends? Ah, attends. Ouais, ouais, je t'entends, c'est bon. Ça marche? Ouais, c'est bon, mec. Bon. Ouais, il y a un peu de bordel dans le tracteur, mais j'espère c'est... que tu bois ta bielle. Ouais, 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 ça marche. Bah, tu sais, moi aussi, hein, fauché, là, j'ai vitre ouverte. Tu sais s'il y en a grand à refaire en plus de bois? Elle m'a dit non, c'est pas très grand, mais ouais. Bon, ok. Bah, j'espère qu'on pourra rentrer avec les tracteurs quand même. Ouais, ce serait bien. Parce que s'il faut tout faire à la main, bon, c'est pas la mort non plus, mais... Ouais, bon, on n'a pas fini. Non, c'est ça. Ouais, ça va, ça a l'air vraiment propre hein, à faucher, là, ça marche bien. Bon, tant mieux. Puis l'herbe est bien, hein, là-dessus. Elle est claire, tout, enfin... Putain, c'est un peu mal branlé, les champs. Dans le coin, ouais, c'est pas terrible. Hein. Pour en dénier, tu vas un peu galérer. Heureusement que t'as le... Heureusement que t'as l'essieu suiveur sur l'endénier. Mais de toute façon, je pense qu'on le changera. Il y a la mélangeuse aussi. Bah, pourtant, elle m'avait pas l'air vieille. Mais là, la cune, elle commence à fatiguer. J'ai eu 9 pour une Luca, je crois, qui est pas mal. Donc, ouais. On verra ça la semaine prochaine, parce que mon emprunt n'a pas encore été accepté. Ouais, bah écoute, on verra ça, ouais. On verra ça si l'emprunt ça marche, j'aurai assez pour changer. Mais on a du beau matos, hein, j'ai vu, là, on avait un Amazon en 6 mètres là, un soir. Hein. Ouais. Ah, il est beau. Hein. Bon, il y a la centrale hydraulique qui m'a l'air d'être un peu faible, mais... Ouais, mais ça on verra, au pire on en recommandera une. Je crois qu'il est encore sous garantie. Ah ouais. Donc, on verra. On va regarder à la paperasse. Ouais, on verra ça. Ouais, parce qu'il nous a largué un classeur là, comme ça, l'ancien propriétaire, mais... C'est quoi qu'on... ce bordel? Ouais, va falloir qu'on mette le nez dedans, là, parce que... J'ai pas tout compris. Puis apparemment, il y a des histoires d'échange de propriété aussi, ou je sais pas quoi. Ah ouais? Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y a des parcelles qui sont à nous sur le cadastre, mais qu'on n'a pas cultivé inversement, donc... C'est compliqué. Oh, merde. Ouais, bah faudra voir ça avec les voisins et avec le TA aussi. C'est de la TA du coin. Eh ben, ça en fout. Mais je crois que c'est avec eux qu'on en a en échange. Ah. Après, on en a d'autres en fermage, mais bon, ça il m'avait montré, c'est bon. Ouais. Ça, je sais, en plus, c'est des belles terres. Hein. En plus. Ah ouais, c'est des belles. Bon, c'est pas des grands rectangles, mais ça reste bien quand même. Des belles parcelles là, c'est, je sais plus, il y a 7 ou 8 hectares d'un seul tenant là. C'est pas mal. Bon. Ça va, ça va. Ouais, ouais, il va bien le masser. Ouais. Ouais, ouais, ça va. Bon, bah tant mieux. Bah écoute, moi le Renault ça va aussi, hein. Bon, ça le tire, mais... Impeccable. Ouais. En même temps, hein. J'ai remis un peu d'huile de pont et puis dans la direction là, c'est impeccable. Ouais. Parce que les niveaux étaient faibles. La vidange et tout ça, il a bien apprécié. Bon, ça, et c'est du goudron que j'ai sorti de là-dedans. Ah oui. Bon, il faut un petit peu d'additif dedans. Ouais, pour nettoyer. Ouais, pour lubrifier, bien comme il faut. Ouais. Faudra qu'on y regarde là, cet hiver quand on aura le temps. Dans le moteur, un peu de mécassine. Puis la boîte, elle fait un peu de bruit, il faudra l'ouvrir aussi quand on aura le temps. Ah, mais en roulement. Je trouve qu'elle fait un peu de bruit, ouais. Ah, ben ça, en même temps, il est pas tout jeune. Puis à mon avis, la troisième, elle est un peu bouffée. Ouais. Ah, les synchros, ils doivent faire la... Ah non, même c'est les crabeaux dessus. Bah ouais, pourtant. Bah, les crabeaux, quand ils sont morts, ils sont morts. Ah bah, c'est ça. Bah, bon, il est pas tout jeune. Hein, mais... Et il dépendra... Puis on trouvera une boîte, hein. On échange standard et puis voilà. Ouais, ouais, on se si ça se fait encore. Ouais, bah ouais, parce ça, que le truc c'est que d'occasion on trouvera des pièces, mais ce sera pas forcément mieux. Hein. Ouais. Bon, on verra ça.
On regardera cet hiver quand on aura le temps. Oui, pendant la période morte. Voilà, parce que là on va pas avoir le temps. La machine, j'espère qu'elle va arriver demain. Ouais, ça serait bien. Parce que ça va être temps de le battre hein, quand même. Je voudrais le Ah, battre. il va pas tarder à passer. Ben, je voudrais le battre avant qu'il pleuve, surtout. Ah. Qui c'est qui m'appelle? Bon, ils ont collé ces messages. Oui, ils laisseront un message. Ouais. On peut pas tout faire, hein. On peut Ben, pas conduire et c'est pas pour le téléphoner. jardin, au moins, ouais. Moi, Ben, je tu crois. diras si t'as un message pour le faire ou quoi. Ouais. On ira plus vite s'il faut. Hop, bon, moi j'ai fini de faucher. Il braque bien ce petit moincé là. Ah bah il est pas mal ouais. De ce Moi, côté-là il est pas mal. je me fais un peu chier avec la longueur de l'anténeur. Bah c'est pour ça que j'étais content quand j'ai vu qu'il y avait des deux roues motrices, que c'était pas des 4 roues, j'étais content parce que bon ça tire un peu moins en pente mais ça braque tout seul là dans la petite cour et tout, c'est bien pratique ça. Hop. Bon je vais aller atteler le rabot sur le Renault. Enfin Ouais. la petite niveleuse. Et puis on va aller faire le jardin tout de suite, on verra après si on a le temps de. On va se faire un peu de blé. Ouais, ça va ramasser un peu. Et t'as donné combien pour ça? Elle nous donne combien pour refaire le jardin? 300-400 € elle m'a dit. 300-400? Ouais, Bon. mais que pour la main-d'œuvre. Après, s'il y a de la graine et tout ça, Ouais, d'accord. elle paye le supplément. Bon, alors c'est pas mal. Ah, elle rappelle. Ouais. Tu peux mettre en pause la vidéo. Oui, allô? Oui, bonjour madame. C'est pour votre gazon, d'accord. Vers quelle heure? Vers 10 h? Ouais, dans une demi-heure quoi. D'accord. Ah, vous serez pas là? Ok. Juste le derrière. D'accord, c'est une friche. Je vais voir. Ok. Pour refaire le carré. Eh bien écoutez, il n'y a pas de souci. On va vous faire ça dans la matinée. Vous serez là vers quelle heure? 1 h. Ah. Bon, ben on verra si on se croise, sinon je repasserai dans l'après-midi une fois qu'on aura fini. Très bien. D'accord, à tout à l'heure. Au revoir. Camille, tu m'entends? Ouais. Ouais, c'est bon. Elle m'a dit à côté de Century 21. Ah oui, La d'accord. maison juste à côté. Derrière, elle a un carré. Elle a dit c'est une friche. Ah oui. Bon, ok. Donc, à mon avis, qui dit friche dit de l'herbe d'un mètre de haut. Ça va être marrant. Ouais. Et puis, ouais, ce qu'on va faire, c'est je pense qu'on va prendre le matos et Ouais. on va aller voir ça. Que si jamais il faut passer Ah. un coup de rota, on n'a pas l'air con. Si on peut se minimiser les allers-retours. Ah, mon Renault il avance plus là. Ah. Attends, je vais regarder, j'ai l'impression qu'il y ait le moteur. Ah oui, bah, le moteur vient de s'arrêter là. Ah bravo! Bon, ce que je fais, c'est je viens avec le mincé, je Je sais pas laisse. comment ça se fait. Ah si, ça y est. Si, d'accord, je pense que je vais essayer de le redémarrer. Hein? Mais un Ouais, coup de c'est bon. star pilote sinon. Non, bah ça y est, c'est bon. Il est reparti. Bon. Moi, j'ai laissé le l'Andener au champ. Ouais. Ouais, parce que ça sert à rien de le ramener, etc. Ouais, bah tu le laisses, je t'attends. Parce que, bah du coup, moi je connais pas. Ouais, bah écoute, on va aller voir ça. On va trouver de toute façon. J'arrive. Ah bah le petit massé. Ouais. Bah attends, en Et... attendant, du coup, je vais aller te remplir ton smart. Ouais. J'ai jamais essayé encore, hein. D'ailleurs, faudra encore que je fasse la pelouse à la maison avec. Ouais. Chez nous.
enfin autour du bureau. Il va falloir qu'on se fasse ça parce que. Mais je viens de croiser Gérard quoi. Dans le bord de la route. Bon sang, mais ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu celui-là. Il ira boire l'apéro, tu vois. Ouais, il va falloir qu'on y aille un de ces jours. Surtout depuis le temps qu'il nous a invités. C'est clair. On tâchera d'y aller un de ces jours. Une bonne petite lame. Hein. Depuis le temps, oui, ça fait peut-être bien 3 mois quand on était venu pour acheter le matériel là d'occasion. On l'avait revu là, je crois bien. Ouais, c'est ça. Par contre, lui, attends sur le Ricard, mon gars. C'est du vrai, ouais. Ah ouais. Ça, je sais bien. Tiens, quand t'écrases le bouchon de la bouteille. C'est à peu près ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est tu ça. Repars que quand t'as fini. Tiens, je te repose ton smart, là. Oh, bah, j'attelais la lame, là, sur le massage. Ah ouais. Oh, bah, laisse la lame dessus. Bah, tiens, bah, je vais essayer le masser. Je te passe le Renault. Ouais, bah ça roule. Bon, tu feras gaffe, il a un peu de mal quand même, hein, mais... Bon, ok. Je pense que tu devrais t'en sortir quand même. Hop. Ça, c'est du saumoir. Ah bah là, tu vas voir. Hein. Bah, je sais pas, je vais pas essayer du tout, donc... Hop, bon, bah, je te suis. Ouais, bien sûr. Ah oui, les vitesses sont raides sur celui-là, bon sang. Ah vache. Vas-y, je te suis. Putain, pas trop. Je sais pas, pas si le gyrophare il marche encore hein, sur le Renault. Attends, il est où le bouton? Ah, c'est le petit bitonion. Sur ça le marche massé, hein. Sur le massé. Ouais, c'est bon, ça marche. Toi. Oh putain. Sur mon massé aussi, c'est bon, ça marche. Ouais, le massé, ça je sais que ça marche, mais le Renault, putain, là. Le faisceau électrique, il a pas été encore bouffé par les rats. Ça ouais, va. Bon, encore. Allez, roule, je te suis. Mille dieu, la direction, c'est un truc de ouf. Comment ça se fait que j'avance pas, moi, avec la lame, là? Je suis en train de voir que je suis limité à 2. Ah, voilà, ça y est, c'est bon, ça roule. Ah bah non. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Ça s'appelle un bête de farm. Ah ouais, je vois que t'es en train de raboter la route. Bah ouais, c'est ça, alors que en fait, bah, j'ai même pas baissé. T'as pas activé un truc, une connerie? Ah non, c'est... Bah attends, je vais essayer de rappeler. Ah, ça va pas ça. Envoie le Renault, je vais mettre sur le Renault. Ouais. On arrête sur le bord de la route parce que sinon la route elle va prendre cher. Pas grave, faudra travailler les cantonis. Du coup je vais reprendre mon Renault. On va voir si ça change. Vas-y, pose le smart, de toute façon il n'y a jamais personne qui vient dans cette impasse. Je vais reprendre le Renault. Hop. C'est quoi cette affaire? Compte, t'avais le droit de serrer le frein. Non. Ah merde. Il était en train de se barrer dans le massé. Bon, je vais prendre ça. Hop, c'est bon, il n'y a personne. Je sais pas si ça va être mieux, mais bon. Hop, excuse. Si, ça a l'air d'être bon. Ouais, vas-y, allez, roule. Ouais, c'est le relevage peut-être du massé qui lève pas assez. Allez, roule. Attends, j'ai une... Oh là là. Le moteur est fin, je crois, il voulait plus avancer ce con. Ah. Ah c'est bien les vieux tracteurs, mais il va falloir qu'on change ça en ces jours.
Encore ça va, les boîtes à vitesse elles craquent pas trop. Ouais, bah sur le Renault un peu quand même. Ah ouais, c'est au village là-bas. Ouais, à côté. Alors normalement, si je me rappelle, il y a un petit chemin derrière. Le long du champ qui devrait y aller. On va voir. Ouais, il y a le chemin, il est là. Ah ouais, bah le chemin il est. Ça va, il est large en plus. Ouais, ouais, ça pour ça. La maison c'est celle-là, là, à droite. Je me garais dans le champ. Ah oui, c'est là. Ah d'accord. Ok. Ouais. Bon bah tu vas me repérer les bornes à pied s'il y en a et puis. Ouais. Je te rappelle pas de cette mamie là, ça me disait un truc. Je crois que c'est elle qui nous filait le café et les petits gâteaux. Ah ouais, c'est pas elle qui s'occupait de la boucherie avant non? Il me semble ouais. La dernière fois qu'on avait travaillé le champ à côté là de je sais plus qui là, qu'elle nous avait payé le café et les petits gâteaux. Ah ouais, c'est possible ça. Là, tu fais gaffe, va pas trop près du mur en bas parce qu'à mon avis tu vas en chier avec ton deux roues. Ouais, bah, ouais, c'est ce que je suis en train de voir déjà. Là, j'ai été obligé de bloquer le différentiel. Après, ouais, je pense que tu peux descendre jusqu'à devant. T'approches pas trop de la maison. Et puis, il mettra un coup de désherbant. Ouais. C'est parce que c'est un peu en pente, donc c'est gaffe. Hein. Là, ça défriche que dalle. Ça défriche pas? Non. Ah, si, pourtant, ouais. J'essaie de gratter là, mais. Ça gratte, hein. Je vois la terre, elle est à nu, mais. Ah si, là, ça va. Ouais, là, ça gratte, là, ça va. Les portions où c'est clair, bah, l'étonnance ici. Ouais. Bon, on va la ressemer au travers et puis on traitera derrière après. Ouais, on foutra un coup de sélectif. Ouais, là, faut pas que je descende trop bas, moi. Ouais. Parce qu'en plus, avec le rabot baissé, là, ça tire. Ça gratte, hein. Ah bah ça tire. Il va falloir trouver des masses. Ce contracteur aussi parce que. Oui bon bah foutre un bidon rempli de sable, tu vas voir. Ouais pareil. Hop. Voilà. Y'a rien contre la clôture, c'est bon. Non, y'a que dalle. Défonce pas la clôture du voisin, parce qu'il va pas être content. Mais... Ah c'est pour ça que je m'écarte un peu. Hop, faut refaire tout devant aussi. Ouais, t'as un qu'à faire. Hein. Je sais pas. Ouais. T'as un qu'à faire. Hein. L'arbuste, t'évites là, espèce de figuier ou je sais pas quoi. Là. Ouais, je vais le laisser tranquille. Là, c'est un. Non, non, c'est un chêne mal taillé. Faut pas que je bute le carrelage non plus. Ah ouais. Il va falloir que je vienne la voir là parce que je vois qu'il y a de la mauvaise herbe qui pousse à travers le carrelage. Ouais, la niveleuse là-dedans, moi, je maîtrise pas. Hein. Bah, c'est une première, hein. C'est la galère, ça. Là, bah, wow, je vais m'arrêter là. Ça gère un pec. Je vais gratter un peu autour du chêne. Enfin, si on peut appeler ça un chêne. Je sens qu'on va venir le tailler un de ces jours. Un coup de tronçon. Ouais. Je sais pas si j'ai la place de passer entre le kercher, enfin entre le figuier et la maison. Si, largement. Eh, maniable ce coin de Renault là. Ah ouais, non, ça là-dessus, y a pas de problème. C'est pour ça que à la base je voulais le mettre là-dessus. Hop, ouais, il faudra peut-être qu'on lève le karcher. Ok, d'accord, je dis tout le temps karcher, mais aujourd'hui. Il faudra peut-être qu'on lève le carrelage après. Ah, ouais. Parce que ça fait des traces quand même. C'est pas trop grave. Non. T'inquiète pas. Et à mon avis, il doit passer 2 heures à balayer devant sa porte. Bon, là déjà, c'est pas mal. Ouais, bon après, tu sais, le gazon, c'est pas trop chiant, hein. Ça se gratte. Ouais, c'est cette herbe à la con là, qui veut pas se coucher, c'est chiant. Il veut pas se coucher, ouais. Bon, on reviendra là,
à nettoyer après. C'est dommage. Ah, il monte pas mon Renault. Ah. Si, ça y est. T'es, je vais voir le voisin. Ouais, bah fais donc de la pub. Propose-lui quand on vient de faire pareil. Surtout que chez lui c'est plus propre, et le gazon il pousse pas bien fort. On ira en refaire. Propose-lui donc, si tu le vois. Hop. Ouais, tu m'entends? Ouais. Ouais, j'ai vu le voisin, il serait intéressé aussi, parce qu'il n'y a rien qui pousse chez lui, il n'y a que de la mousse. Ah, bah bouge pas quand ça. Pas aujourd'hui, il veut un devis d'abord, parce qu'il voudrait planter un ou deux arbres aussi. Donc, ok. Donc, on va faire. Ah, bah on viendra avec la planteuse. Ouais, il m'a dit de passer d'ici un ou deux jours, là, un soir, parce que là, il va s'en aller. Donc, Oh, bon, on passera dans un ou deux jours, et puis on tâchera de faire ça. Ouais. Bon, toi, tu vas pouvoir commencer. Je vais pas trop près de la maison parce que j'ai peur de gratter dans les fondations. Hein. Ouais, évite de faire tomber la baraque de la mamie, ça va être pas dans la merde. Hein. Ouais, quand même. Ouais. Déjà que le prêt est pas accordé. Oh con, je suis bloqué. Ah non, ça va. J'ai essayé de gratter un peu derrière quand même. Vas-y, tu sais quoi, je vais passer devant là-bas. Attends, je finis ma tranche là et puis. C'est vrai que micro tracteur c'est quand même mieux hein, pour travailler que des goûts. Ah bah pour faire ça là c'est impeccable ça. Hop. J'y vais en marche arrière parce que je vais pas monter sinon. Ouais. J'ai essayé de gratter un peu en bas là tranquillement. Je te laisse aller là-bas. Je vais te guider devant. Je sais pas s'il va remonter. Là. C'est peut-être pas la meilleure idée d'aller gratter là. Hop. Bon. Ah, j'arrive pas à monter. Je crois bien que j'ai coincé le Renault. Ah bravo! Puis là pour le remonter maintenant. Ah non, ça va, ça va. Ça patine son terrain. Ouais, c'est un peu de la glaise on dirait. Oui. Bon, il est parti là le voisin? Il partait quand tu l'as vu? Ouais, il partait. Ouais. Bon, je vais juste faire un tour vite fait chez lui, voir la surface pour estimer le devis un peu. Ça marche, Asmi? Ouais, ça marche. Ouais, ça a l'air bien semé en plus. Oui. Non. Ouais. Bon, il te reste les petits détails à faire après. Comme ça, on le fera à la main s'il faut. On le fera à la main. Hop. Alors, le voisin, ça donne quoi? Ah ouais, il y a grand en plus. Hein. Ouais, il y a de quoi se faire. Hein. Tu sais si c'est à lui la résidence à côté? La petite... les deux maisons sont à ouais, lui. Ouais, ou... c'est à lui, c'est à sa fille. Ah ouais, les deux. Oh, bon, on refera les deux. Ben, c'est toute la pelouse. Par contre, je sais pas par où on va rentrer là. Ouais, on coupera un peu la clôture s'il faut. On la remettra après. Ouais. Ouais, je sais pas, peut-être que par en bas j'arriverai à rentrer. Ouais, si, avec les marches sans trop abîmer. Quitte à mettre une plaque dessus ou quoi. Ouais, j'essaierai de rentrer là. Ok. Bon, on verra ça la prochaine fois. Hop. Bon. On rentre ça à la ferme. Ouais, mais attends, je suis la dernière bonne de la clôture. Ouais.
Ah, il a du mal à se mettre à certains endroits quand même. Oh, mais t'inquiète. J'ai peut-être trop gratté, bon, on s'allèvera plus tard. Oui. Bon, allez, on va rentrer. Bah écoute, c'est déjà pas mal hein, pour une première. Ouais. Je pense que c'est pas mal. Bah de toute façon, on verra bien au moment de se faire payer cet après-midi ou quoi. Ouais, allez, voilà. Go. C'est parti. Oh, puis le chemin, il est carrossé, là, impeccable. Ça roule tout seul là-dessus. Hop, allez, on rentre ça à la maison, et puis pour aujourd'hui, ça sera bien. J'ai le relevage qui baisse par moment. Il doit y avoir des petites fuites hydrauliques, à mon avis, au moins. C'est... Ouais, bah, c'est bien ce qui me semblait, tout à l'heure, qu'il avait du mal. Oh, bah au pire, on montrera le relevage du Renault sur le Massé. Hein. S'il faut. S'il faut. S'il faut. Pas... Je sais pas si c'est le même débit ou pas, mais bon, on verra. Un coup de chalumeau, un coup de masse, un coup de poste à souder, hop, c'est reparti. Ouais. Au pire, on fera deux tracteurs en. C'est ça. Un Renault Massé. C'est ça. On gardera le châssis du Massé et puis tout le reste, le Renault. Hop, bon, voilà, on rentre tranquillement. Donc j'espère que cet épisode un petit peu long vous aura plu. Prochain épisode au programme moisson. Et puis je sais pas quoi d'autre, donc d'ici là on va aller chez le voisin faire un devis et refaire sa pelouse. Et puis on voit ça au prochain épisode. Donc bah, je vous invite à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, abonnez-vous si ça vous plaît bien sûr et si c'est pas encore fait, et sur ce on se dit à bientôt. Allez, salut les amis, salut tous.